Lojani Rang karichuna chung samya sen. Lekumre. Devo goda. Devo machuna. Deba kamba. Deba mikamba. Mikamba. Rang deba mikamba. Tare masam ni shen den du tu mundu samje. Rua. Oje san yangya. Ale oje. So se ko. Sambal de ne. Samlo madana shuchumu yung mares. Samlo tangbayina. Then you go to the Tandabado to the leveres. Tandabado sosuchibo. Sosul de washada de the agile letter goddess. That de pa juju de gane. And she and dewa dena. Mato dewa de axem da. Rang and cartoonage from some axem de lame goddess. Rua. On de com she tell me goddess. That cartoon aguma song. Gensu yete dire. T'as raison. Donc c'est le fait de pouvoir réfléchir et prendre conscience en fait de tous les défauts, tous les travers en fait de ce chérissement de soi d'un côté et d'autre côté les bienfaits au contraire de chérir les autres qui va nous permettre donc de procéder à cet échange de nous-mêmes avec autrui. C'est la condition finalement pour arriver à nous échanger avec autrui. C'est ça qui fait que qu'est-ce que ça veut dire finalement au fond? Ça veut dire que nous serons en mesure, contrairement à notre tendance spontanée, nous serons en mesure de vouloir le bonheur pour les autres. Donc, non seulement y aspirer, le désirer, le vouloir, mais ensuite mettre en œuvre les moyens pour y parvenir. Et d'un autre côté, être prêt à accueillir, en fait, à accepter la souffrance pour nous-mêmes. Rangi dewa la ta midoba legri rangi dewa chuna sambe tago maris dela mata wache thana mata wache shenji dungne se ya kona samda yachi wa. Et cet entraînement là en fait qui nous permet donc progressivement d'intervertir notre approche habituelle, notre manière de nous considérer mutuellement donc jusque là fait que cette la pensée finalement qui s'élève désormais est celle de ne plus faire cas finalement de notre propre intérêt, de notre propre bonheur, mais d'en avoir comme seule pensée, comme seule obsession finalement quelque part, que les êtres soient débarrassés de leur souffrance, que les êtres puissent être heureux. C'est la seule chose finalement qui va nous animer à partir de là. Ta dende ma yon de ta tanji grand ma xie de zo de rang jin zi gi juan dang xin jin zi gi yan de ma san ba la ten yong tu guo ma le san na yong tu guo le yi sen song ba le su ba. Et donc, ce que l'on a dit initialement, c'est que finalement, une telle permutation de notre regard, c'est quelque chose qu'on ne pourra faire qu'à partir du moment où, au départ, on a vraiment pleinement pris conscience de tous les travers, tous les inconvénients, tous les défauts du fait de nous chérir nous-mêmes, de nous accorder autant de valeur, autant d'importance à nous-mêmes, et d'une part, et d'autre part, de voir tous les bienfaits dont on peut retirer finalement, tous les qui découlent en fait, tout simplement du chérir. Ceci étant, donc, dans ce lambrime intermédiaire, donc, Jinpoche met en évidence deux types d'obstacles qui, justement, peuvent interférer à cette permutation, à notre entraînement.
Tadi gek sewa saya di gek ni di karis aku tu lah na. Dene rambang sih saya di bed koran ta. Ngose nasi kaga susu samdang dia. Taju rambi nau nasi sih los trup dia lah. Samdang cik telat dene cik yang udah sulwa. Ni apa dene dene rang sih gitu dong ya ranggal nunggu mari samje. Oh samlo dia dene ni ya sih dong ya saya aku tu lah. Mayung lah. Parti cik ris ni, sulwa. Et quels sont ces deux obstacles? Donc, que nous dit Rinpoche ici, c'est la chose suivante. Le premier obstacle, en fait, c'est de faire une distinction en fait, complète entre nous-mêmes et les autres. La même façon qu'on distingue du bleu du jaune, en fait, pour nous, c'est deux couleurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est pareil, on distingue un jeu et un autre, ou ce qui n'est pas jeu, donc ce qui est autre, comme étant deux choses qui sont complètement distinctes, qui n'ont rien à voir. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est de considérer que finalement, lorsque les autres souffrent, ben, ça nous fait pas mal, en fait. Donc, en d'autres termes, que les tourments d'autrui, les souffrances d'autrui, ben, elles ne nous affectent pas nous-mêmes. Et donc, ce sont ces deux ces deux perceptions-là, finalement, ces deux perceptions-là qui vont interférer à notre possibilité de permuter notre regard de l'échanger avec autrui. Voilà, dans les sommes d'anges, t'as dit, il dit, quand t'as rendu la science, t'as dit, t'as dit, malgré tout, non, j'ai pas de cagasse, non, t'as tout vu, le vaisseau, là, t'as tout vu, Marie, c'est une tâche, t'as dit, 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 Et pour revenir maintenant au premier, donc cette distinction si claire que l'on fait entre nous-mêmes et les autres, là il convient de s'interroger finalement si il en est ainsi. C'est-à-dire que si vraiment nous-mêmes sommes aussi distincts des autres que cela nous apparaît en tout cas. Et qu'est-ce que cela nous amène à regarder finalement? C'est la manière dont nous existons, nous-mêmes comme les autres, finalement notre mode d'existence. Et là, on en vient tout simplement à considérer que si moi-même j'existe aussi distinctement des autres que cela m'apparaît, cela veut dire alors à ce moment-là que j'existe ou que les autres, pareillement, existent de par eux-mêmes, existent de leur propre côté, existent en soi. En d'autres termes, existent que, de manière complètement indépendante, en fait, que j'existe de manière complètement indépendante des autres et que les autres existent indépendants de moi. Et ça, c'est exactement le contraire, en fait, qui se pose. Ça, c'est complètement erroné, en ce sens que moi-même, comme les autres, existons, en d'autres termes, ou sommes établis, mais donc existons en dépendance, en fait. Et en effet, donc c'est une évidence quelque part que nous existons donc les uns comme les autres, donc de manière complètement en étant reliés, en fait, de manière dépendante. En ce sens que on va pouvoir parler d'un soi en opposition à autre, à ce qui n'est pas soi en fait, et on ne pourra parler en fait que de soi parce qu'il y a autre. On ne parlera d'autre que parce qu'il y a un soi donc de notre côté. Donc ce sont bien phénomènes, on peut dire ainsi, qui existent bien en dépendance l'un de l'autre. Et
Et de voir en plus que ces notions sont donc interchangeables, donc elles dépendent l'une de l'autre, donc puisqu'il ne peut y avoir un soi que parce qu'il y a autre, d'autre, et il ne peut y avoir d'autre que parce qu'il y a un soi, mais même ces notions sont interchangeables, de la même manière que cette notion de ici et là-bas. Lorsqu'on est de ce côté de la montagne, on dit ici, mais lorsque d'ici on regarde là-bas, on dit là-bas, mais lorsqu'on va là-bas, ce ici devient là-bas, et le là-bas devient ici. Et c'est pareil finalement pour soi et les autres. Quand on regarde les choses sous son angle, le soi c'est moi et les autres sont les autres, mais du côté des autres, eux-mêmes sont moi et moi je deviens les autres en fait. Donc c'est complètement interchangeable. Et lorsque l'on perçoit cela, on voit qu'on peut très bien de ce point de vue-là, mais simplement considérer finalement, chérir finalement les autres comme on se chérit soi-même et inversement en fait, ça ne pose aucun problème finalement. En tout cas intellectuellement. Kalsa. Que je l'ai pas dit. Semble autant et digéroa. Kaptuk cheyel tel logaret. Logaret. Il m'a dit. Oh, den de ça dit de digi kung da de dal labdila long tu ne dang sha tu sro. Da xin nyang ba kom ba kom che be sa. Chan ju sem ni tem ba cha. Da go ba yor sa go ba yor in sa samlo den de tang so le sro. 다시 냠바 검제베 전주세네 템버차 템버추르사 다다 셴니 가다 나는 거 다다 셴니 떠바데 네 파르츠르 지신 준스 와 아니 모데 랑기 파르민 아니 강라데네 츠르주 다니 랑기 마두나 아니 강라데네 셴도주 셰 파도 떠발레데네 아니 조바레 랑은 조바 자원이 요마레 스네다 데송레 서와 Et ces différents points, finalement, Jérôme Poucher les a puisés dans le Compendium des Instructions, donc l'autre ouvrage rédigé par Shantideva, qui dit « En cultivant l'égalité entre soi et autrui, l'esprit d'éveil s'affermira. Du point de vue de soi-même et d'autrui, donc du point de vue d'autrui, pour reprendre l'exemple de la montagne, le côté-ci, le côté là-bas, hein, c'est ces notions-là. Ce côté-ci et l'autre côté donc, sont faux, selon de quel point de vue en fait, on regarde les choses. Donc, le point de vue, donc le second, c'est-à-dire le dire là-bas, en fait, enfin, comment dire ça parce que si je lis littéralement, ce n'est pas simple. Je vous le lis simplement, le texte, et puis ce n'est pas évident dans la traduction. Du point de vue de soi-même et d'autrui, ce côté-ci et l'autre côté sont faux. Le second n'est pas le nôtre, et selon la perspective, devient ce côté-ci. Ouais. Vous y êtes ? Parfait. Le jeu n'est pas établi par soi-même en fonction du point de vue, il devient autrui. En fait. Encore une fois, donc, le jeu n'existe pas, le jeu comme autrui, comme les autres, n'existe pas de leur propre côté, mais existe bien en dépendance et donc sont de ce point de vue-là interchangeables. Rang da xian yin zhe wa yu wa. Ruo rang la pian duo yu an di xian la dui gu yu wa. Sam lu kuo yun di gan rang xiu gi ke li ya yu wa zhu ya qi le gu tuo as. Jing ne ga jin zu de wo ne ki ru wa. Le gu tuo as. Ga jin zhe ya le gu tuo as. Jing ne xian la dui ba da mei dui ba s ge ji xian yin du gan rang ne chu ma chu gan ne. Rang ge na wa da du chu ma chu. Ne lu ta du sam lu ta ya qi le gu tuo as wa. De ji di gan rang ge na wa da du ma chu ba s. Tong yun di gan ne. 신세야디 랑 나와다도 마주봐 아니 랑세야디 랑 나와다도 마주봐 대삼로 고발 때니 다 대 나운지 믿음 봐 나운지다 내지 믿음 봐 통제 아니 내려선 유화당이지 레토거래 서로 랑 진진다 신 진진이 니디야 아니 페 가서래 신기 주 편도 용야 삼로 당야다 등줄을 때니 로와 강드네 Uh-huh.
Et lorsque l'on regarde, par exemple, cette notion de dépendance, donc en l'occurrence, à laquelle on vient de faire allusion, dire en fait que le jeu dépend d'autrui et inversement, cela peut nous amener finalement à deux résultats, en fait, ou nous permettre de développer en fait deux perceptions. La première est que plus on va prendre conscience que moi, enfin, j'existe en dépendance, enfin, le jeu, le moi, existe en dépendance d'autrui, cela va nous amener à voir combien nous sommes reliés en fait aux autres. Donc, ça nous permet de développer et de ressentir davantage ce sentiment de proximité donc vis-à-vis des êtres, de voir combien nous sommes concernés par les êtres et finalement combien nous devons en fait aux êtres. Donc, on parlera de la bonté des êtres de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est un premier élément, la dépendance, donc le fait de voir combien je dépend de ce qui est autre, ce qui n'est pas je, forcément va nous amener à développer une plus grande proximité, voyant combien nous sommes reliés les uns aux autres. Le deuxième résultat qu'elle peut donner cette perception de la dépendance entre je et autrui, c'est de voir, comme on l'a dit, que dans la mesure où je existe en dépendance d'autrui, ça veut dire que je n'existe pas de son propre côté. Ça veut dire que quelque part, le je n'existe pas de la manière dont il m'apparaît. Moi, je n'existe pas de la manière dont cela m'apparaît. Et inversement, il en est de même des autres. Les autres n'existent pas de leur propre côté, puisqu'ils existent en dépendance de moi. Donc les autres n'existent pas de leur propre côté, ils ne se sont pas établis en fait de par eux-mêmes. Et là encore, donc on se rend compte qu'il y a une distorsion finalement entre l'apparence, donc ce qui s'impose à mon esprit, un moi qui existe de son propre côté, des autres qui existent de leur propre côté, et la réalité. Et cette compréhension-là, dans la mesure où antérieurement nous aurons bien développer cette compréhension donc de tous les bienfaits du chérissement d'autrui, de tous les inconvénients donc du chérissement de soi, cette compréhension-là va nous permettre de renforcer encore davantage notre capacité finalement de nous intervertir, de permuter notre regard. Alors, venons-en au deuxième obstacle donc, qu'évoque Jerimpoche ici dans ce texte. Il nous dit que le deuxième obstacle, c'est de dire finalement que ce qui nous amènerait à rechigner, quelque part, parce que notre esprit rechigne finalement à permuter, à échanger le regard, c'est de penser finalement que, ma foi, les tourments des autres ne m'affectent pas particulièrement, qu'ils ne me touchent pas particulièrement, qu'ils ne me font pas mal, d'autres termes. Et pour opposer donc à cet obstacle, en fait, ce type de pensée donc qui interférait à notre possibilité de nous échanger avec autrui, ici on peut trouver différents exemples. Donc Shantideva va en citer, d'autres maîtres en auront cité également. Par exemple, ils vont nous dire, alors partant de là, si on considère donc que la douleur des autres ne m'affecte pas, je vois pas pourquoi je réagirais ou je ferais quoi que ce soit par rapport à ça. On va se dire, mais à ce moment-là, dans la mesure où la personne qui fera l'expérience, l'être qui fera l'expérience des souffrances à venir, en dépendance du karma que j'ai accumulé moi maintenant, n'est pas moi, en fait. Ce n'est pas moi, en tant que je suis là maintenant, qui fera l'expérience de ces karmas ultérieurement. Donc pourquoi finalement me préoccuper de ces souffrances à venir, par exemple ?
Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple est de se dire pourquoi, par exemple, dans notre dans une période ou dans la jeunesse ou alors dans une première partie de sa vie, en tout cas, on cherche à accumuler, par exemple, certains biens ou se garantir certaines conditions en vue de ses vieux jours. On n'est pas encore affecté par les souffrances du vieillissement, en tout cas de ces vieux jours-là. C'est pas quelque chose qui nous touche pour autant maintenant, alors qu'on cherche dans notre jeunesse, par exemple, à accumuler certaines conditions favorables. Un autre exemple encore utilisé, et là c'est une partie d'une situation toujours pareil, extrait du Bodhisattva Charyavatara, dans lequel il est fait référence à la main qui vient au secours du pied, par exemple, lorsque l'on a une écharde, par exemple, dans le pied. C'est bien la main, elle souffre pas de cette écharde-là, et pourtant c'est bien elle qui va au secours du pied. Donc ce sont différents angles en fait de vue qui nous permettent justement d'éroder un peu ce type d'obstacle. Et qui nous amène finalement à grignoter finalement notre manière de regarder les choses pour nous amener à voir que finalement, oui, c'est tout à fait légitime dans cette même veine-là que ces différents exemples-là. Il est tout aussi légitime finalement d'être concerné par les autres et donc d'être de sentir impacté, affecté par ce qu'ils vivent et de chercher donc à les aider. Pour dire l'argument quelque part le plus puissant est de prendre conscience de la bonté des êtres, de tout ce que l'on doit aux êtres. Parce que naturellement, dès l'instant même où l'on prend conscience de tout ce que l'on doit aux êtres, naturellement, en nous s'élève le besoin de manifester notre gratitude. Et partant de là, donc dans la mesure où initialement on a pris soin, donc, ou parallèlement en tout cas, pris soin de bien comprendre tous les inconvénients, tous les travers du fait de se chérir nous-mêmes, de nous accorder autant d'importance d'un côté, et au contraire des bienfaits donc de considérer les autres, de chérir autrui. Alors progressivement donc se développe notre capacité de permuter notre regard, de nous échanger avec autrui. Et venons-en donc maintenant dans cette troisième section à la deuxième partie qui est la méditation à proprement parler. Donc comment on s'y prend finalement pour procéder à cet échange de soi et d'autrui tel que nous l'a décrit Shantideva. Donc
ん。で、バドドンがじくれんことです。こんなじれんことです。でね、だしにだ、すんじゃたんじゃらんぎてのやばさもたんじ。こんじゃじ。こんじゃじてね、だでらたたんかれたけど。てんがずやわちんたいろわ。やわちんのとんゆでかね、だでやわちやでめばせやたしら。だだしんではではどんげめとばじばいばさもたんや。 当年才的当年，那的啊，那是忙过去多，咱们这里个多。既然心情他们就，电话都话都弄来都话，几百万把人了，个人钱也几百万把什么当呀？心情他们就来一万万把什么当呀？这当年谈不当年这样就多，往底去，说那么就当年这样就了，往底去。等你的嘛是真正，真说白都什么了几当？ 当他们接了，等到扬州国民家园这个呢，曾经他们就看着这多，打，所以说看着这个多打，对，东北啊，东北城的就落几百几件那个多没多，对吧？等到有落几百几件那个多没多打，对，但呢，到底几百几件那个嘛了哇？我们这里土嘛了哇？等来月他说了，他那些年把是呢，什么讲呀？就那个多是吧？到底老人啊，看你什么样的这个那个多，送上去。 真的，哦，那，嗯，对了不对，人家就这个呢，真的，所以，你在这住过多，你们多，现在，他那，嘛的嘛，那你，你地产当这的东西没，地产这的东西没，鸡蛋当滚蛋了不对，那是几个维度，送到几号了吧？ 有啊有的，嗯，唐伯大娘大爷的心情了，嗯，高啊，他没高啊，累啊，知道吧？我的没话说呀，他是几个人，是吧？高啊，他没高啊，也让心给也话钱没吧？让是那心是那，他们罗让的评价是那，他可是那他们几个人把什么当呀？真的是什么当呀？对起，他起码的，电话都把东西没得把几个人把当呀？什么当的？我的也话着。 Lorsque l'on aborde donc maintenant la manière de développer donc l'esprit d'éveil selon cette méthode, en fait, on peut s'appuyer sur ce que l'on avait déjà vu antérieurement, à savoir donc la nécessité de développer l'équanimité, et puis sur la base de l'équanimité, cette équanimité, ensuite nous entraîner à voir tous les êtres comme nos mères, par exemple, nous prendre conscience de leur bonté et leur manifester en retour notre gratitude. On se souvient que dans ce contexte-là, lorsqu'on parlait d'équanimité ou d'impartialité, il s'agissait finalement de niveler le regard que l'on portait sur les uns et les autres, du point de vue de niveler ce sentiment d'aversion que l'on avait vis-à-vis de certains, ou au contraire d'attraction que l'on avait vis-à-vis d'autres, ou d'indifférence encore que l'on avait vis-à-vis des troisièmes catégories. Et c'est ce en quoi consistait l'impartialité dans ce contexte-ci. À présent, lorsqu'on a développé donc, ce type d'impartialité, ce qu'on a amené notre esprit à percevoir les êtres comme notre mère, prendre conscience de leur bonté et vouloir en retour manifester notre gratitude, posons également notre esprit simplement en essayant de considérer tous les êtres à nos côtés, donc tous les êtres nos mères, assis de part et d'autre à nos côtés, et considérons donc les autres et nous-mêmes. Et regardons finalement à ce stade alors comment est-ce que nous nous concevons, comment nous nous percevons. En fait, mutuellement, et nous nous rendons compte encore que nous faisons des différences. En fait, ce sens que nous considérons comme ayant plus de valeur étant plus important que les autres. Et c'est là où on peut s'appuyer, par exemple, sur cette strophe de l'offrande au maître spirituel qui nous dit : puisque personne ne désire la moindre souffrance, ni n'est jamais rassasié de bonheur, je ne diffère donc pas d'autrui. Et en effet, de ce point de vue-là, chaque être donc désire être à l'abri de la souffrance, aussi insignifiante soit-elle, ou faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Exactement comme moi-même. Et on voit ici qu'on accède à un autre niveau ici d'équanimité qui est plus profond que le précédent. Donc.
Et l'on se rend compte, en fait, avant d'appliquer ici, donc, lorsqu'on regarde donc, à ce deuxième stade, finalement, comment est-ce que l'on se perçoit entre soi-même et les autres, on se rend compte, finalement, qu'on fait encore des distinctions. Des distinctions entre, en ce sens que si l'on voit une possibilité d'expérience de bonheur, tant s'en saisir pour nous-mêmes, finalement, au détriment des autres, sans faire trop cas des autres. Et si l'on voit les autres en souffrance, ce n'est pas quelque chose qui va susciter en nous ce désir donc de les en débarrasser, de prendre sur nous-mêmes cette expérience de souffrance pour les y soustraire. C'est pas quelque chose qui vient en nous spontanément. Et c'est à ce stade-là, pour cette raison-là, alors que l'on va considérer justement les inconvénients du fait de nous accorder autant d'importance à nous-mêmes, nous chérir autant, et les avantages, au contraire, les bienfaits plutôt, qui découlent du fait de chérir autrui, d'accorder davantage de considération. Et prenons conscience d'ores et déjà, lorsque l'on examine donc les inconvénients du chérissement de soi, du fait de s'accorder autant d'importance, de voir que depuis la nuit des temps, alors que nous continuons d'alimenter finalement ce type de perception, qu'est-ce qu'il en a été? Finalement, nous avons été incapables finalement d'œuvrer à notre intérêt, c'est-à-dire d'accomplir nos aspirations profondes, sans parler d'accomplir celles d'autrui. Et lorsque l'on considère en fait ces deux aspects qui sont d'une part de nous accorder autant d'importance à nous-mêmes et l'autre côté d'accorder davantage d'importance à autrui, là encore on peut s'appuyer sur ces strophes donc extraites de l'offrande au maître spirituel pour nous amener à diminuer, à réduire donc ce chérissement de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. L'offrande au maître spirituel nous dit, comprenant que cette maladie chronique, justement, donc du chérissement de soi, est la cause des souffrances non désirées, j'implore votre grâce afin de blâmer, haïr et détruire ce puissant démon de l'appréhension de soi. Et d'un autre côté, lorsqu'il s'agit justement de voir combien sont importants les autres et combien il importe de développer cette considération d'arriver à chérir autrui, ce même texte nous dit « chérir ses mères et chercher à les établir dans la félicité est le passage vers des qualités infinies. Quand bien même ces êtres se dresseraient-ils en ennemis contre moi, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. » J'implore votre grâce afin de les aimer plus encore que ma propre vie. Excusez-moi. Arrivant sous un autre angle, en fait, le Lojong, donc le Lojong de Geshe Chikawa, dans le Lojong 7 points, nous dit médite en fait la bonté de tous. Il nous dit littéralement, c'est-à-dire médite, ce qu'il dit par là, c'est médite combien tu dois à absolument tous les êtres, quels qu'ils soient. Là encore, si on arrive sous cet angle-là, naturellement, ben, on va arriver à cette approche-là va nous permettre donc de réduire cette
cette importance si considérable que nous ne cessons de nous accorder, ce chérissement de soi d'un côté, et va au contraire nous permettre donc d'accroître, d'intensifier le chérissement d'autrui. Atisha, le seigneur Atisha lui-même disait donc Atisha s'est rendu au Tibet, donc lorsqu'il a vu un petit peu la situation au Tibet, il a dit le Tibet connaît des bodhisattvas, donc mettez ça entre guillemets de fait, le Tibet connaît entre guillemets des bodhisattvas qui ne savent pas cultiver l'amour et la compassion. Atisha, donc à son époque et dans le contexte dans lequel il était, parlait des Tibétains, mais en fait, il parle de nous, en fait, là aussi directement quand même. Il parle de nous qui, quelque part, sans avoir développé une once de bienveillance et de compassion, sommes au contraire très enclins, par contre, à développer l'esprit d'éveil. Parce que notre compassion, donc même si on peut en avoir certaines traces, notre compassion est loin d'être une compassion pleine et entière. Ouais. Parce que même déjà simplement pour ce qui est d'éprouver de la compassion, on est incapable d'éprouver une compassion donc complète ou oui une compassion complète, ne serait-ce qu'à l'égard de nous-mêmes. Donc si on n'est pas capable de l'éprouver à l'égard de nous-mêmes, comment penser pouvoir l'éprouver vis-à-vis d'autrui? Parce que même, regardons, quand on dit on n'est pas capable d'éprouver ne serait-ce de la compassion que vis-à-vis de nous-mêmes, en effet, quand est-ce qu'on pense que je ne fasse plus jamais l'expérience des bonheurs du cycle des existences, que je me libère des bonheurs du cycle des existences? Quand est-ce qu'on pense à ça? Et donc, tant qu'on n'est pas en mesure, finalement, de penser cela, la compassion, entre guillemets, que l'on éprouve, donc, est une compassion qui est forcément extrêmement limitée, extrêmement... oui, c'est pas forcément qu'elle soit biaisée, le terme, mais en tibétain, c'est un terme qu'on va rendre quelquefois par biaisée. Ici, c'est pas qu'elle soit elle est partielle au sens incomplète, en tout cas, mais pas incomplète, voilà plutôt, c'est le mot. Je vois. Parce qu'en effet, il nous suffit de voir quelqu'un éprouver ou se trouver dans une situation qui nous paraît plaisante, éprouver des conditions qui nous paraissent plaisantes pour les envier, nous dire si je pouvais vivre la même expérience. À aucun moment on se dit c'est une expérience de toute façon qui est dénuée d'essence parce que elle relève de la nature du changement et que forcément elle va décliner, elle ne peut perdurer en tant que telle. Et dans la mesure où, nous n'arrivons pas à la voir ainsi, mais au contraire que nous la convoitons, il est bien évident qu'on aspire à tout sauf à nous libérer de ce type d'expérience-là. Et
Et encore une fois, c'est bien la raison pour laquelle il nous faut au préalable avoir une très forte conviction, finalement. D'abord, une très forte compréhension de la nature même du cycle des existences. Donc, de comprendre son caractère, quand on dit dénué d'essence, donc, parce que de la nature de la souffrance, bien intégrer finalement ce que cela veut dire pour ne plus avoir qu'une chose en tête, c'est vouloir réellement nous affranchir de toutes ces formes d'expérience. Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, donc plutôt nous dit si l'on n'aspire pas à quelque chose pour soi-même, ne serait-ce qu'en rêve, comment peut-on aspirer à cette chose-là pour tous les êtres ? Et donc pour terminer cette strophe donc du Seigneur Atisha, donc pour la reprendre, il nous disait que au Tibet, le Tibet connaît des bodhisattvas entre guillemets qui ne savent pas cultiver l'amour et la compassion, donc sous-entendu potentiellement nous-mêmes. Et la strophe de poursuivre en disant, on demandera alors de quelle manière commencer. Et Atisha ainsi de répondre, il faudra s'entraîner selon les étapes dès le début, depuis le début, depuis le commencement. Voilà. Et donc pour une fois, c'est pas moi qui le répète. C'est pas moi qui vous le dis une nouvelle fois. Et ça, c'est réellement quelque chose qu'il nous faut tous garder à l'esprit. Aussi, ne vous pressez pas. Ne vous précipitez pas. Le cap reste inchangé, c'est clair. Il faut regarder loin, donc, c'est-à-dire vers l'éveil. Donc. Il faut regarder loin, porter son regard loin. Mais même si la destination donc, est loin devant, donc garder un cap loin, en même temps, il faut faire cela tout en sachant avancer en fait, à son rythme, de façon progressive. Et en fait, ça, c'est issu d'une citation de Geshe Kamlumpa qui disait « Porte ton regard loin devant, sois ouvert et garde ton esprit détendu. En » fait. Ça, c'est la manière d'aborder en fait, le cheminement. Calme et détendu. Voilà, intérieurement, sans fébrilité. Et en apprenant en fait à être heureux, à nous réjouir en fait de la moindre petite chose donc vertueuse sous-entendu, mais la moindre petite chose que nous faisons, de pas la considérer comme une évidence ou que voilà ça compte pour rien presque, non. Nous réjouir, d'apprendre à nous réjouir de la moindre petite chose positive ou vertueuse que nous faisons. Dès qu'il est long,
다인이 접제세디 장가게 깨지 말레스 먼저 미통 근동 접제 통성스 라저와 먼저 미통 근동 접제 통성스 다 된다니 장가 망부 장가 망부 라이지레스 미탑 접제 당스 다다 직 지고레스 아레 미탑세디 가르라고 하려나 Mitab saya di zo ngaran zo mitab lah di namju mitab lah di kahil lagu ari lana, dene ngaran zo nian jong ya tapsi cia jorwa, ngaran zo nian jong ya tapsi cia, nian, zada nian, nian jong ya tapsi cia jorwa, nian jong ya, jida mitab saya di kahil jil si gori lana nian jong ya tapsi, nian jong ba, nian da bu jia ba. 念了 全部写吧, 念还过了, 扎念, 咋写了, 咋写中亚, 咋写刚刚没用啊, 中亚, 我打不起啊, 답시, 답시, 咱们这么不要的是, 你谈到没答谁的, 念中亚去, 答谁的, 扎对亚去, 扎, 对亚, 扎对亚, 扎胖就亚, 扎没有谁啊, 扎对亚, 답시的是, 전주 선반는지 니엔 종야디 타여버렸어. 가르스는 심지어 타여버 람기 니엔레스. 단다 라디오에 라사서 뒤서서 전주 선반는지 니엔 종야디 심지어 탐지 람기 니엔 달았다고 그랬어. 니엔 타여버렸어. 디인드가는 디 종야가 탑시디야 타여버렸어. 타여버 종야가 탑시. 정당 정당 탑시디 타야고요 그래서 어바드메고요 그래서 대체 다 라두야 다시 찍으래서 라디 봐 어 란진디 코나래 타야고요 Radio di rancin di dia panar itu. Ici, l'exemple qui est tiré d'une citation de Langri Tampa est la suivante. Langri Tampa, en parlant de lui-même et de Geshe Shapopa, dit que tous deux, nous possédons différentes méthodes. Alors le texte, enfin, même en tibétain, on retrouve ce terme de 18, mais 18 méthodes, ce sont des méthodes qui relèvent des hommes. Ce n'est pas la notion de 18, c'est de beaucoup, en fait. Donc c'est encore un... Comment dire, enfin bref, c'est une façon de dire on dispose de nombreuses méthodes, en fait. Ta la vie gumsen karere. Ta la vie gumsen karere. Ta. Mi tan ta. Ta mari tap. Mari tap. Tap mambo. Zé zé. Mi tap. Mi tap. Tak tap se di. Mi tap. Tak tak tap. Ta tap. Ta se ne jidan da. Ta se ne samshen. Ta shen yang. 직부 아. 디는 네 이제는 따답세다 따디 라다다 따지도아. 얘는 좀 현다한테 따답스 라인도 가네. 라디야 답시레스. Excusez-moi, c'est des là j'ai des soucis de traduction avec le texte que j'ai là et les certains termes utilisés. Alors, je vais simplement m'en tenir à ce que Geshe-la vient d'expliquer.
Donc, Langri Tampa dit de lui-même et de Geshe Shapowa que tous deux disposent de nombreuses méthodes. Ils disposent d'une très grande variété de méthodes pour prendre soin de leurs proches, et ils disposent d'une seule méthode pour soumettre leur ennemi. En fait, littéralement, c'est ça. Ce dont il est question. Et cette variété de méthodes, en fait, pour prendre soin des autres, sont finalement toutes les méthodes dont disposent les bodhisattvas, qui considèrent tous les êtres comme leurs proches, en fait, vis-à-vis desquels ils ne font pas de différence, et qui disposent donc d'une quantité faramineuse, en fait, de méthodes différentes, de moyens différents, tout simplement, d'œuvrer au bien d'autrui, donc de prendre soin d'autrui dans ce sens-là. Et d'un autre côté, parallèlement, ils ne disposent que d'une seule méthode pour soumettre leur ennemi, parce que quel est leur ennemi ? C'est le chérissement de soi. C'est cette importance considérable à accorder à eux-mêmes. Et c'est bien la question. Alors c'est pour ça. Alors je vous explique un peu pourquoi j'ai trimé, parce que si je regarde le texte, il parle de 18 méthodes humaines et une méthode chevaline, en parlant de la méthode du cheval, entre autres. Donc il y avait plusieurs, voilà. Et donc c'est, je pense qu'il faudrait retracer. Est-ce qu'il y a des, tu sais, parce que l'expression, donc explique Geshe-la, de méthode du cheval entre guillemets, fait référence toujours donc au fait de soumettre un ennemi, et peut-être de la même façon finalement que on apprivoise, on dompte un cheval. Est-ce qu'il y a une, voilà, probablement il y a quelque chose en lien avec cela. Mais indépendamment en fait de l'expression elle-même, son sens, qu'est-ce que ça veut dire si on utilisait, parce que nous c'est quand même difficile de traduire méthode du cheval, parce que voilà, on a des moyens de cheval, c'est pas vraiment ce à quoi on pense forcément. Donc oui, enfin dans cette oui probablement. Je vois ta duliela. Je sais pas, je suis pas spécialiste de dressage. Je sais pas. Ouais. Oui, peut-être du maître des morts, et puis voilà, je sais pas, voilà, probablement. Donc, auquel cas où ça justifierait de mettre la méthode de dressage du cheval et celle-ci, quoi. En fait, voilà. Mais bon. Et là, on voit de suite, finalement, la différence majeure qu'il y a entre les bodhisattvas et nous-mêmes. En ce sens que nous-mêmes, lorsqu'on entend ce terme de ennemi, soumettre les ennemis, on pense à qui ? Forcément à tous ceux qui sont à l'extérieur, tous les êtres qui sont à l'extérieur. Et lorsque l'on pense prendre soin, donc de multiples façons ou de méthodes pour prendre soin de ses proches, les proches sont les êtres donc, qui nous sont chers, qui sont autour de nous, en fait, dans notre entourage. C'est tout l'inverse, finalement, d'un bodhisattva, qui lui-même va considérer comme ennemi son propre auto-chérissement, ce chérissement de lui-même, et considérer comme ses proches l'ensemble des êtres. Donc. Changju sem ne
전지 저도 쌤 쟤는 가르치고 그랬어. 네 지하대 가르치고 그러려나? 네. 네. 제다 롱디 드시데 미타다 다다 드시데 리기도 와. 어. 안다 샤슈데 사오면은 샤슈로 다 샤슈. 어디레스 다 전다에니 디레스 다 전주 선바세는디 다신 냠바 다신 제바 로장야기 고라는 송용거래 서로 단다데라. 근데 전주 선장님들 송용거래 서로. 단다디 전주 선장님이 되라. Et donc cette citation ici donc de Langri Tampa, on la retrouve dans ce contexte du développement de l'esprit d'éveil pour nous amener finalement à voir comment pouvoir arriver à intervertir notre approche en fait, notre perception habituelle. Comme on vient de le voir, la différence qu'il y a entre notre perception, entre les amis, les ennemis par exemple, et la perception d'un bodhisattva. Donc pour nous amener ainsi à modifier finalement notre perception. Mais cela, bien entendu, n'est possible qu'à partir du moment où on entraîne notre esprit à cela. Et cela nous renvoie à ce que nous disait donc le Seigneur Atisha précédemment en nous disant cet entraînement en fait il faut nous y adonner et nous y adonner donc progressivement et à partir du début des étapes. Encore une fois, parce que si l'on va rapidement ou si l'on esquive en quelque sorte les premières étapes, tout simplement, notre esprit n'aura pas la base, le fondement même pour pouvoir développer l'amour et la compassion. On va s'arrêter là pour ce soir. Pour justement sur ce point de progresser de manière graduelle, en fait, d'évoluer de manière graduelle partant des premières étapes. Dogo nanda jinla jo bara jo yi damo guru rana mendala kamne adaya me. Donc on prend le livret des pratiques internes de l'institut à la page 10 pour la dédicace. Qui va dire? Yawande yenyo oyando oyanda ahema ayasan. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, dans ce vaste monde, n'adviennent ni famines ni conflits. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence intérieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. J'ai bien compris. Ensuite, on va à la page 13, première strophe, troisième. Oh,
Séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Vajradhara. Dites que j'ai ce Vajradhara, ça n'a rien dit. Peut-être, Geshe-la dit, c'est exprès que j'ai traîné sur Vajradhara pour faire traîner en fait la femme, parce que quand on le psalmodie selon la mélodie, enfin en tout cas on le chante selon la mélodie en tibétain, en fait volontairement on fait traîner le début et traîner la fin. Dans ce contexte ici, c'est parce que quelque part ça renvoie finalement à l'origine de cet enseignement, de cette doctrine, donc au Bouddha Shakyamuni lui-même. Donc ça nous permet de remonter en traînant sur le début, en fait, de penser à la source finalement, d'où vient la source de cet enseignement. Et lorsqu'on traîne sur la fin, c'est pour que cette doctrine perdure longtemps. En fait, un petit peu comme lorsque on fait des prières de longue vie, en tibétain également aussi, on ralentit en fait, et on devient très très lent sur la dernière, sur le dernier vers. En fait, pareil pour que la vie du maître soit la plus longue possible. C'est dans la même idée. Mmh. Merci et bonne soirée. À demain.